Shalom, shalom, le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous parle depuis la ville de Genève. Je viens à peine je suis arrivé depuis, ça fait 3 heures que je suis à Genève. Genève qui est la capitale, n'est-ce pas, de la Suisse. Je suis là juste à Genève pour une mission. Je suis là pour juste 2 nuits, cette nuit d'aujourd'hui, la nuit de samedi. Je serai dimanche, n'est-ce pas? Je serai dimanche, je serai dimanche, de Paris. Voilà, donc je serai dimanche sur Paris, à partir, n'est-ce pas, du dimanche. Donc je ferai le culte à Paris à partir de 12h jusqu'à 15h. Et le thème, ouais, voilà, merci. Le thème, c'est les démons et les œufs, dans une démonstration de la puissance de Dieu. Nous allons démontrer la puissance de Dieu. Une onction particulière. Et nous allons prier ce jour-là pour que des personnes aient, n'est-ce pas, les dons de voix, le don de discernement, des esprits, tout ça, ce jour-là, ce dimanche-là, ne ratez pas. Je suis à Genève, justement, pour le comité d'organisation, l'église, la cellule de Genève, de Suisse, pour baptiser tous les enfants spirituels. Shalom à toi, Ben Sago. Pour baptiser les enfants spirituels de la Suisse. Ouais, c'est un programme que j'avais oublié et on m'a rappelé un peu, n'est-ce pas, on m'a ramené, n'est-ce pas, l'invitation. Donc, je suis obligé d'être là. Bon, Dieu merci, j'ai fait un bon vol. Je suis là, tout va bien par la grâce de Dieu. Je suis là pour 2 nuits. Voilà, 2 nuits, la nuit d'aujourd'hui. Demain, je fais le baptême. Demain, je fais le baptême. On aura une action prophétique, n'est-ce pas, à faire avec tous les enfants spirituels. Et puis, bon, dimanche, je prends mon vol dimanche pour Paris. J'arrive à Paris dimanche à 10h. Et je serai à la salle déjà à partir de 11h30, 12h, de 12h à, n'est-ce pas, 12h à 15h, nous aurons un culte merveilleux par la grâce de Dieu, un culte plein de louanges, plein de puissance, plein de la puissance de Dieu et tout ça. Nous autres, nous avançons par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour cette rencontre. Nous te prions de nous bénir, nous te prions de nous faire du bien, nous te prions de nous faire ta grâce, de nous te prions de nous bénir. Nous te prions de nous faire du bien au travers de ta puissance, Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous fais, n'est-ce pas, du bien. N'est-ce pas? J'aime bien ce chant. Aïe, Jésus, voilà, donc connectez-vous parce que c'est... Vraiment, c'est révélateur ce soir. On aura beaucoup de choses à voir. On parlera de beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu. Sans détour, on dira beaucoup de choses. On dira beaucoup de choses sans détour par la grâce de Dieu. Voilà. Commencez à partager la vidéo. Voilà, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Commencez à partager la vidéo. Parce que ce soir, on aura beaucoup de choses à voir. Voilà. Et je serai obligé de prendre au moins 2 personnes, 2 à 3 personnes. Pour la prière. Voilà. Connectez-vous. Partagez les vidéos, c'est important.
Connectez-vous. Partagez les vidéos, s'il vous plaît. Genève fait un beau temps ici, hein, c'est bon. Je remercie mes enfants de Genève, voilà. Voilà, je remercie. Le morceau, il est prophétique. J'aime bien jouer ça parce que dans ce chant, on était en train de prophétiser, parler de comment les gens veulent forcément nuire aux serviteurs de l'Éternel que je suis. Comment ils se décident toujours pour pouvoir détruire la vie de serviteur de Dieu. Mais toi, tu n'as pas voulu, Seigneur. C'est ton OK. C'est-à-dire, si toi, c'est toi qui décides le sort du prophète Crasso. Partagez les vidéos. Hommage au pasteur Serge. Ouais. Un bon chant. Serge éloge. Un bon chant. Dès que je descends en Bidjan, déjà moins de doute. On commence déjà l'enregistrement de l'album du pasteur. Ouais. Aujourd'hui, c'est sans de tout. Hein. On aura beaucoup de choses à dire. On va se dire beaucoup de choses. Ça fera du bien. On camon balé ma boye. On camon balé ma boye. On camon balé ma boye. Jésus en allié lié nanado. C'est-à-dire les sorciers, les Judas, les agents du diable, ils veulent forcément me nuire. C'est-à-dire, ils veulent forcément, c'est-à-dire dans leur tête là, c'est me nuire. C'est-à-dire, eux, ils réfléchissent comment nuire. Et quand ils se lèvent matin, qu'est-ce que je vais faire à ce monsieur là? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, ma fille, qu'est-ce que je vais faire à ce monsieur? Parce qu'il prospère. C'est-à-dire, puisque c'est toi que j'adore, puisque c'est toi que je prie, puisque c'est en toi que je crois, c'est plutôt je crie, puisque c'est en toi j'ai toute ma foi. Donc, ils ne peuvent pas, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire autour, quelle que soit leur manigance, quelle que soit ce qu'ils manigancent contre moi, ils ne peuvent rien. C'est ça, dit Inene ayo, Jésus ayo, Lago ayo, Nyamon sounyo ayo, Inene ayo, Jésus ayo, Lago ayo, Nyamon sounyo ayo, Ayo boyi, Yiyan dina lago ayo bo, Kuya mon sounyo. Aïe, Jésus, aïe, beau. Oui, mettez-vous, partagez la vidéo. J'attends pas mal de personnes parce qu'aujourd'hui, ça sera vraiment merveilleux. J'aurai l'occasion de vous partager beaucoup de choses. J'aurai l'occasion de revenir sur pas mal de choses. Et ça fera du bien à chacun d'entre vous. Voilà, ça fera du bien à chacun d'entre nous. Et ça va nous faire entrer dans pas mal de révélations concernant, n'est-ce pas, le ministère? Voilà, c'est important. Je suis le maréchal, le prophète Joël Crasso. Je prophétise et je déclare que cette année,
Partagez la vidéo. La gosia ziliwao, la gosia ziliwao, ma la gosia ziliwao, 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 la gosia ziliwao, 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 la peuo, le mundo ale luna gala gobusio, yeke. Ma peuo, le dodo ale luna kala gobusio. La gosia ziliwao, gosia ziliwao, 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 ziliwao. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. Ah, il reste le chant des populaires, je vais mettre ça tout à l'heure. Ouais. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort. J'étais malade, je suis allé voir. Les marabouts, y'a rien là-bas chez les marabouts. J'ai dit de lui lancer. Ça va aller, oh yeah. Ouais, you faisais, c'est ça. Ça, c'est un homme d'avant avant lui. Aïdara, c'est un homme d'avant avant you faisais. Mais c'est ce qui est devenu Zouglou. Négocia, Ziliwaou. Ah, la gosia, Ziliwaou. Ma peuo, ye dodo ani nuna gala gobusi, ye. Ma peuo ale, ye dodo ale luna gala gobusi o. Eliye la gosia ziliwa o, la gomosia ziliwa o. Mon la gosia ziliwa o, la gosia ziliwa o. Ma peuo. Ye dodo wani luna gala gobusio. Ma peu ale, ye dodo ale luna gala gobusio. Jonathan, le serviteur de Dieu évangélique, Jonathan Gba. Mais, shalom, je suis actuellement à Genève, en train de, n'est-ce pas, nous sommes dans les préparatifs de cette grande convention, et en même temps, en profiter. Voilà, je suis à un rendez-vous très important concernant mon ministère. Pour, n'est-ce pas, baptiser mes enfants spirituels. Demain, on aura un baptême très tôt le matin ici à Genève. Nous allons baptiser des enfants. Et le soir, on aura l'occasion, n'est-ce pas, de les aider dans une dimension de prière, d'action prophétique, afin de pouvoir les aider à rentrer dans une dimension. C'est parce que c'est très important. Voilà, c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, n'est-ce pas, afin de pouvoir les amener, n'est-ce pas, dans une dimension. Voilà, donc je tenais à dire merci à mes enfants spirituels. Franchement, j'avais tellement oublié. Et vous connaissez la fête des Blancs là. Mon Dieu est venu comme ça. Et Dieu merci que je sois bien arrivé. C'est même pas loin, c'est peut-être 1h45, c'est pas loin.
Voilà, je suis à Genève. Demain, vous allez voir le baptême. Nous allons filmer le baptême. Ça sera vraiment merveilleux. Je suis en même temps chant de l'Éternel. Voilà. Je suis en même temps chant de l'Éternel. C'est ce que les gens doivent savoir. Ça, c'est ma carte Burida. Ma carte Burida. Burida. C'est-à-dire que je suis auteur, compositeur. Voilà. Comme je disais, Inseignable, 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 ma Jésus les magnao, on les magnao, on les magnao, on les magnao, ma Jésus les magnao. Pour nous, notre baptême, là, c'est un baptême, c'est spécial, immersion, mais en même temps, action prophétique. On les ma bao, 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 on les ma bao. On est ma bao, ma Jésus les magnans, on est magnans, eh, inseignable, Père son âme. Voilà, Désir Champion, qui était un frère, un ami, voilà, 2004 là-bas, n'est-ce pas, où j'ai fait mon premier album, et j'ai fait sortir aussi Jésus Adana Kangwale, Jésus Adana, Jésus Adana Kangwao, Jésus Adana, Jésus Adana Kangwale, yo, Jésus Adana. Jésus Adana Kangwale, Jésus Adana. C'est vrai qu'étant à table avec ses disciples, il dit à un de vous qui va me livrer, celui qui mettra la main en même temps que moi, dans le plat, c'est lui qui va me livrer. Seiko Poulet, le PCA de Barou Production. Shalom à toi, communication plutôt. Cette parole s'est accomplie. Quand c'est Judas qui avait mis la main. Pour dire le prophète Crasso et la foi, n'est-ce pas, prophète de l'Éternel, et aussi la foi chant de l'Éternel. Vous commencez à partager la vidéo, nous allons, n'est-ce pas, entrer dans une autre dimension tout à l'heure. Partagez la vidéo, et ça c'est très important. Nous allons rentrer dans beaucoup de séries d'explications de certaines choses. Des voix de mémoire obligent, et nous allons, n'est-ce pas, obliger, nous sommes obligés de dire certaines choses qu'on n'avait pas peut-être envie de dire. Nous serons obligés de les dire ce soir pour amener les gens à comprendre quelque chose, beaucoup de choses à la fois. Parce que ça, c'est très important, n'est-ce pas, de savoir où on quitte et puis où on entend de partir. Voilà, dans cette histoire des ministères-là, il faut savoir où tu entends de quitter et puis vous savoir où tu entends de partir. Ça, c'est beaucoup très important. Quand tu ne sais pas où tu entends de partir, tu as un problème, tu te mets comme un lâche. Voilà, il faut savoir où tu es quitté. Voilà. J'attends un nombre de personnes que j'aime exprimer. Yo, les là-bas, mon. Les là-bas, il est moisé. Prophète Crasso, là-bas. Là-bas, il est moisé. Et là-bas, il est moisé. Ma peau, hein. Mais dodo, allez, mon agal, à quoi vous jouez. Ma peau, Ye dodo wale lu naga la go uzio Eli e la go zia, zia, zia o Shalom à vous les enfants, que Dieu bénisse. Ce dimanche, ça sera vraiment chaud, de 12h. Voilà, donc je vous informais comme ça que Dieu vous bénisse. Je suis là en Genève, à Genève, la capitale, je pense que la capitale économique de la Suisse, parce que la capitale politique, c'est Berne. Voilà, là, je rectifie, parce que j'étais la dernière fois, ça fait maintenant, voilà, j'étais la dernière fois à la capitale politique qu'on appelle Berne. J'aurai l'occasion demain matin de vous montrer, n'est-ce pas, Suisse en image, tout ça, plutôt Suisse, du moins Genève en image. J'étais à Berne, tout ça. J'aurai l'occasion de vous montrer un peu mon complexe où je suis logé, par la grâce de Dieu. Merci aux enfants spirituels. Et c'est vrai, ça faisait partie de nos programmes. Je suis là justement pour le baptême des enfants spirituels du prophète Crasso ici.
l'église Pentecôte authentique internationale de la Suisse. On aura l'occasion de baptiser les gens et on aura l'occasion, par la grâce de Dieu, de pouvoir, n'est-ce pas? Ouais, Siaka, merci. Shalom à toi, tu viens d'arriver de l'Autriche, merci. On m'a informé que tu es déjà là, tu viens de l'Autriche. Voici un grand footballeur qui va fuir dans ce notre ministère. Voilà, donc nous allons baptiser les gens. Nous allons les baptiser demain matin, très tôt le matin, il paraît à 9h, 8h plutôt, 9h. Nous allons les baptiser par immersion. Et après ce baptême, nous allons, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, entrer dans. Nous allons, n'est-ce pas, entrer dans une autre dimension par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, de beaucoup de choses, on aura l'accès au prophétique, on aura un enseignement de pointe dans la soirée, on aura un enseignement de pointe dans la soirée, un enseignement vraiment de pointe dans la soirée. Et moi, je rentre dimanche à 10h, je suis déjà à Paris. Et à 11h, déjà 11h30, 12h, je serai déjà à l'église de Paris, l'église Pentecôte authentique et internationale. Venez, venez, pour ceux qui ont des problèmes, qui veulent être délivrés. Venez à l'église Pentecôte authentique à Paris à partir de 12h jusqu'à 15h. Vous allez, n'est-ce pas, vivre, n'est-ce pas, expérimenter la puissance de la délivrance. Le thème sera les démons et les œuvres. Vous imaginez les démons et les œuvres. Ça dit la théorie pendant que je parle d'un démon, la sirène des eaux. Je parle d'un démon qu'on appelle démon guerrier. Pendant que je parle d'un esprit, la théorie et la pratique, la théorie et la pratique. Je chasse les démons. Et le 22, le 21 plutôt, la date du 21, voilà, ce sera le baptême officiel de tous les enfants spirituels à Paris. Ça, c'est le 21, le samedi 21. Le samedi 21, nous aurons un baptême officiel. Un baptême officiel, c'est un samedi. À partir de 15h, tous ceux qui veulent être baptisés, par immersion, n'est-ce pas? Parce que ce baptême-là, il est important. Sauf si tu es dans les robes. Voilà, parce que cette fois-ci, nous sommes là pour, je suis là pour la Suisse. Maintenant, ceux qui sont en France, ceux qui sont à côté de la France, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont, n'est-ce pas, quelque part en Belgique, qui aimeraient se faire baptiser, vous venez à partir du 21, nous allons vous baptiser par immersion. Et le dimanche 22, nous allons, n'est-ce pas, prendre la Sainte-Seine ensemble, par la grâce de Dieu, vous montrer comment prendre la communion ensemble. Mais encore, ce qui sera intéressant, c'est que le dimanche 22, le culte démarrera, voilà, n'est-ce pas, à partir de 14h jusqu'à 20h. Donc nous allons, n'est-ce pas, avoir plus de temps, 6 heures du temps, parce que nous avons négocié avec la dame qui a cette salle. Elle nous a accordé maintenant à partir, ce dimanche-là, c'est à partir de 12h à 15h. Maintenant, le dimanche prochain, ça sera parti, bon, je parle de 22, bien sûr, 22, 28, après le baptême, le dimanche 21, n'est-ce pas, autant pour moi, samedi 21, nous allons faire le baptême. Après ça, nous allons, n'est-ce pas, le baptême à partir de la Sainte-Seine le 22, dimanche 22, et nous aurons, n'est-ce pas, la puissance de Dieu qui sera à l'œuvre dans la puissance. Moi, je veux que vous m'envoyiez des gens qui ont des problèmes de cancer. Je veux que vous m'envoyiez des personnes qui ont des problèmes de folie. Je veux que vous m'envoyiez des personnes qui ont des problèmes de papier. Ça dit, et puis maintenant, on se donne rendez-vous dans une semaine, en 4 jours. Ça sera des moments de révélation prophétique. Voilà, sur Paris. Les moments de révélation prophétique dans tout Paris. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Commencez, n'est-ce pas, à vous connecter. Voilà, je suis actuellement, suis, n'est-ce pas, Genève. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas les gens qui parlons mal des gens. Nous prenons le temps de faire asseoir l'œuvre. Nous prenons le temps de pouvoir asseoir les personnes dans la foi. Nous prenons le temps de faire asseoir les gens. Nous ne sommes pas des gens qui sont destructeurs. C'est l'esprit du diable qui détruit. Dieu, il est un esprit d'ordre. Il est un esprit qui fait avancer. Il est un esprit qui bénit. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je veux revenir des voies de mémoire. Vous savez, je suis le prophète Crasso. Pour ceux qui ne le savent pas, Dieu m'a oint dans un domaine spécifique. La destruction des œuvres de la sorcellerie. Personne ne peut s'approprier ça. C'est-à-dire, si tu veux parler de sorcellerie, forcément tu vas faire référence au prophète Crasso. Voilà, voilà. Mais tu peux parler de la sorcellerie, mais tu n'as pas le don. C'est ça. Avoir le ministère et le don, c'est deux choses différentes. Voilà. Tu peux avoir, n'est-ce pas, un ministère. Bon, je me doute beaucoup de délivrance, mais le don, il faut la détection, il faut la détection, il faut détecter, n'est-ce pas, l'esprit qui se manifeste. C'est ça la différence entre celui qui a appris théoriquement et celui qui reçoit un don.
Voilà, parce que Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. Ça, c'est la chose la plus simple et facile à comprendre. Il y a apprendre, parce que l'élève ne peut pas devenir plus puissant que le professeur, ce n'est pas possible. Et puis d'ailleurs, un don, c'est un don. Voilà, on est parti de quelque part et puis on doit savoir où on entend de partir. Ça, c'est la chose la plus encore intéressante. Et moi, j'ai cette capacité, n'est-ce pas, de pouvoir détecter les sorciers dans un village. Quand j'arrive dans un village, n'est-ce pas, la chose la plus simple, c'est d'abord de démanteler tous les réseaux de la sorcellerie. Ça, ce pouvoir-là, Dieu me l'a donné. Et toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique en parle. Dieu m'a donné ce pouvoir-là. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne dira le contraire. Voilà, personne ne niera ça. Voilà, voici une preuve. J'ai démantelé dans un village 36 sorciers. J'ai démantelé dans un village 36 sorciers. Très bien. Donc, on m'invite dans ce village qu'on appelle Zegreboué. On m'invite parce que le village est miné. Il y a l'école qu'on n'arrive pas à achever, une école en construction qu'on n'arrive pas à achever, le dispensaire qu'on n'arrive pas à achever, le marché. Donc, on invite le prophète Crasso. Et pendant cette vidéo, quand vous regardez très bien cette vidéo, ceux qui veulent s'approprier d'une onction de délivrance n'étaient pas dans cette vidéo. Ceux qui veulent s'approprier d'une onction, ce n'était pas dans cette vidéo. C'est pour cela que j'ai une mémoire, j'ai réservé des vidéos inédites pour vous. Et j'aurai l'occasion de vous les partager. Vous aurez l'occasion de voir beaucoup de choses. Parce que maintenant, devoir de mémoire oblige. On est obligé de revenir en arrière pour vous parler de l'histoire, l'historique, parce que c'est important. Donc, on m'envoie dans le village. On dit, quel est le problème du village? J'ai dit, c'est la sorcellerie. Ah bon? J'ai dit oui, mais vous savez ça. Oui, mais on essaie, mais on ne sait pas qui fait ça. Les gens en parlent, mais on ne sait pas qui fait la sorcellerie. Vous ne savez pas qui fait la sorcellerie, ok? Donc, je fais une action, je tourne avec les gens dans le village, je parle au village, je parle, je pose une action prophétique. C'est ça, l'onction de Dieu qui se manifeste dans la vie d'un oint. Un oint, c'est un choisi. Ce n'est pas quelqu'un qui a été bippé. Ce n'est pas quelqu'un qui est prématuré. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève un matin pour se dire, il s'auto-proclame. Non, moi je ne peux pas autoproclamer. Donc je pars, je positionne une action. Matin, bonne heure, le matin, voici. Ils viennent me retrouver. Voilà. Ce n'est pas des montages, c'est des réalités. Ils viennent me trouver matin. Il était déjà 6 heures moins. Ils viennent se confesser parce qu'ils sont sorciers. Ils veulent délivrer de la société. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que j'ai mis le village sur embargo spirituel. J'ai mis le village sur embargo. J'ai quadrillé le village en parlant au village, en prophétisant, en fermant le ciel spirituel, en bloquant tous les arrêts-ports sataniques, en bloquant tous les arrêts-ports de la sorcellerie, en détruisant toutes les bases arrière, toutes les poudrières. Et je parlais. Et j'ai dit, tous ceux qui sont sorciers, qu'il se dévoile matin. Et j'ai même dit à la chefferie, parce qu'il aura la suite de cette vidéo. Hein. Voilà, il aura la suite de cette vidéo. Parce que ça, c'est vraiment important que les gens sachent un peu, qu'ils comprennent. Parce que les gens, ils viennent, ils parlent parce qu'ils ont envie de parler. Et non, parce qu'on leur donne la possibilité de parler, ils veulent parler. Comme c'est Facebook, chacun veut parler pour se faire voir. Non, il y a des limites quand on parle sur Facebook. Il y a souvent des limites quand on parle sur Facebook. Frère, nous, on n'est pas venu s'inventer sur Facebook. Les gens découvrent un homme de Dieu qui a une dimension d'une onction pas possible et qui fait sortir l'Afrique d'une situation terrible, n'est-ce pas, de l'horreur, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Donc, ce monsieur-là a besoin d'être soutenu. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a bipé. Donc, je vous ramène et je parle, j'ai dit au village, vous allez voir tous les sorciers de vos villages. Ils vont confesser matin parce que j'ai bloqué leur aéroport spirituel. J'ai bloqué
tout leur arsenal de guerre satanique. Je bloque. Ils ne sortiront pas de leur corps cette nuit. Ils ne sortiront pas de leur corps. Parole de maréchal de la brigade anti-mangeur d'arbres. Si ce n'est pas réalisé, chassez-moi de ce village. Donc, 5 heures, déjà à partir de 3 heures, chacun vient sous l'arbre à palabre. C'est-à-dire, la patate pour chacun veut parler. Voilà, donc je dis, mais vous êtes sorciers? Oui, chacun parle. Voilà, donc voici l'histoire. Vous êtes sorciers? Vous êtes sorciers? Je vais commencer par Gitambé d'abord. Tu es quoi, toi? Toi? Tu es quoi? Je suis sorcier! Vrai, vrai! Vrai, vrai, vrai! Je suis sorcier, oh! Vrai, vrai sorcier, oh! Je suis sorcier, vrai, vrai sorcier! Je suis sorcier! Vrai, vrai sorcier! Vrai, vrai sorcier! Je suis sorcier! Vrai, vrai sorcier! Je suis sorcier! Vrai, vrai sorcier! Je suis sorcier! Vrai, vrai sorcier! Vrai, vrai! Vrai, vrai! Je suis sorcier! Une personne, parmi eux, une personne sorcière, a mangé au minimum 60 personnes. Ça, c'est minimum. 60 personnes. Voilà. Donc, le maximum possible, nous avons eu dans ce village 1732 personnes. Vous voyez, donc Dieu m'utilise pour démanteler un réseau. Je le ferai au Gabon. Je ferai ça au Cameroun très bientôt. Je ferai ça très bientôt, n'est-ce pas, au Sénégal. Je ferai ça bientôt dans beaucoup de pays africains. Voilà, donc j'arrive très bientôt en vacances. C'est pendant les périodes de vacances. Voilà, donc ce n'est pas des montages. Ce n'est pas une question de trucs. Moi, je leur pose la question. Vous êtes sorciers? Oui, ils sont sorciers. Pardon? Et Dieu me donne ce pouvoir de les démystifier. La Bible nous dit dans Colossiens, Dieu a exposé le diable, n'est-ce pas? Mais il les a livrés publiquement en spectacle. N'est-ce pas, dans 2 Colossiens, à partir du verset, n'est-ce pas, 13 et 14, il les a livrés publiquement en spectacle. Voilà, donc, on livre en spectacle pour briser, n'est-ce pas, l'horreur. Parce que les gens ont peur, la mort en cascade dans le village. Les gens mouraient en cascade. Donc, les gens sont livrés en spectacle. On finit par comprendre. Oui, Congo Brazzaville, très bientôt. Voilà, nous allons prier tout à l'heure en live pour le Cameroun. Nous allons prier pour le... Voilà, on les livre en live et commence à parler. Ce n'est pas les montagnes. Ce n'était pas des montages. Dieu a le prophète Crasso. Il va sauver toute une vie, toute une région des mangeurs d'arbres. Quand quelqu'un dit les sorciers, c'est qu'il tue. La nuit, il a oublié de manger l'arbre. Hé, hey, frère, c'est ce combat nous menons pour ne pas que les gens qui sont, n'est-ce pas, innocents, qui sont sans défense, qui ne peuvent pas se défendre, que ces personnes soient libérées de cette oppression satanique, des personnes qu'on bloque le mariage, des personnes dont on bloque la chance, des personnes qu'on bloque, n'est-ce pas, leur avenir, leur, n'est-ce pas, destinée. Oui, voici le combat que mène le prophète Crasso. Oui, voici mon combat que je mène. Ce n'est pas une question de blabla. Il y en a combien qui le font? Voilà, c'est pour ça qu'il dit devoir de mémoire oblige. Oui, parce que c'est ça. Voici le don. Dieu choisit quelqu'un. Dieu a des personnes. Il leur donne des dons. Voici le don en action. Voici la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de la vie de son serviteur. N'est-ce pas? Il parle. Je suis sorcier! Je suis sorcier! Je suis sorcier! Je suis sorcier! C'est vrai. C'est vrai! Je suis sorcier! Je suis sorcier! Je suis sorcier! C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je suis sorcier! Je suis sorcier! Je suis sorcier! C'est vrai. Je suis sorcier. Je suis sorcier. Est-ce qu'on vous a forcé? Non. On vous a forcé? Non. Vous êtes sorcier? Non. Je suis
sorcière. Vraiment sorcière. Oui. Je suis sorcière. Il n'y a pas d'allure. Je suis sorcière. 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 Je Elle dit quoi? Elle dit qu'elle est sorcière. En bon Dieu. En plus de bon, ouais. Elle dit qu'elle est sorcière. On mange là-bas, ça vient tuer. Bon, il y a un bras, il y a du cobra. Ça vient tuer. Il y a du cobra. Ça vient tuer. Mais lui, il n'y a pas de vie. Il y a quel problème? Il y a du cobra. Lui, il y a déjà tué. C'est bon. 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 Très bien. Donc, on ne force personne pour dire que non, on a pris des gens pour les forcer. Non, on ne force personne. C'est mon ministère. Et justement, il y a des personnes que vous ne voyez pas dedans. Donc, c'est pas quelqu'un qui est venu un matin pour me dire, non, le don, je l'ai. Amène-moi au Cameroun. Amène-moi au Gabon. Amène-moi, n'est-ce pas, au Sénégal. C'est un don que j'ai reçu de la part de Dieu, n'est-ce pas, pour pouvoir aider les gens à pouvoir sortir, n'est-ce pas, du sous-développement, du pouvoir de la sorcellerie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, voici la suite de la vidéo. Maintenant, une autre nono suite. Voilà, voici du tambour. Voici la suite de la. Ça fait quoi? Ça fait mauvais à l'homme. Explique. J'ai fabriqué ça. Hein? Toi-même? Non, pas moi-même. Hein? C'est quelqu'un d'autre. Hein? Un peu noir. Hein? Il a fabriqué ça pour moi. Hein? Il voulait faire du mal au chef du village. Hein? De place à place. Hein? C'est ça qui est là avec moi. Tu prends ta place comment? Prends ta place, tu es le chef du village. Tu es chef du village? Oui, papa. Donc tu allais prendre le cardinal? Oui, papa. Tu as payé ou tu as donné un cadeau? Cardinal, j'ai payé ça. Combien? Dès qu'il a fabriqué. Tu as payé ça combien? J'ai payé ça. Combien? 400 000. 400 000 francs? Oui, papa. 400 000 francs pour tuer l'homme? Pour tuer l'homme. Comment ça fait pour payer? Vous comprenez, pour tuer l'homme, il va vendre. Il va pour ça. Mais t'as eu l'argent pour taper. Oui, j'avais l'argent pour taper. Pour faire quoi? Quel quelqu'un? Il fait pour faire. Il veut tuer le chef du village. Il allait payer le cardinal ici pour tuer le chef du village. Il y a un salaire, on paye. Ça fait dire, on les paye. C'est mal. Mais pourquoi toi, tu veux tuer quelqu'un? C'est à cause du mec. C'est la société qui m'a tué comme ça. Tu as fait quoi? C'est pas bien. C'est là, je suis tueur. Tu es tueur? Oui. Tu as fait quoi, cardinal, encore? J'ai fermé le village. Et j'ai gâché l'école. T'as gardé quelle école? École de vie. Parce que tu veux être chef qui fait l'école. Oui. Comment on veut te prendre? Alors, c'est pas bon. Hein? Tu as gâché quoi encore? J'ai reconnu. Et puis, comment on appelle le marché là? Le marché. J'ai gardé comme si j'ai gardé ça. Donc du coup, les gens venaient d'avoir la révélation de la situation que vit le village. Parce qu'ils m'ont invité dans le village pour savoir pourquoi il n'y a pas des avancées de développement dans le village. Le village est bloqué, n'est-ce pas? On construit un marché et ça n'avance pas.
C'est-à-dire qu'on met des briques, on construit et ça tombe. Il y a une pluie bizarre qu'on n'arrive pas à comprendre. Le dispensaire, pareil, il y a un vent bizarre et tous les malades, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur le chantier tombent malades. Et ça s'arrête un coup. Et celui qui est le propriétaire du chantier, il y a eu plus de 3 personnes qui étaient propriétaires d'un chantier. Ce chantier-là, de le dispensaire, ils sont morts. Voilà le problème. On te dit, tu es un entrepreneur, voici le marché, tu dois construire le dispensaire du village. Et il y a eu problème. Vous comprenez? Donc, du coup, j'ai un problème, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui fait ça? On n'a pas envie d'indexer quelqu'un, mais on aimerait que le prophète passe ici, n'est-ce pas? Par l'onction de Dieu sur sa vie, il faudrait que les sorciers soient démantelés. Encore dans un autre village. Ceux qui s'approprient disent qu'ils ont l'onction de pouvoir délivrer la sorcellerie. Là. Regardez. Il a débarrassé de l'esprit de la sorcellerie. Très bien. Donc, après Zegreboué, on m'envoie encore dans un autre village où cette dame, n'est-ce pas, qui vient, n'est-ce pas, qui vivait dans la haute sorcellerie, qui était responsable de toute cette confrérie, et, n'est-ce pas, vient d'être démantelée. Et moi, je ne suis pas celui-là qui fait comme brûler les gens, n'est-ce pas, au bûcher. Et je décide sur l'ordre du mandat et l'onction de Dieu de la débarrasser de ce démon de la sorcellerie. Dès que je la touche, le démon se manifeste. C'est un démon, n'est-ce pas, de panthère, n'est-ce pas, un démon, n'est-ce pas, de python, et n'est-ce pas, de tigre qui se manifestait dans la vie de cette femme qui est responsable, n'est-ce pas, de la haute confrérie dans ce village. Vous comprenez? Donc, voici le travail que fait le prophète Crasso dans les villages au niveau de l'Afrique. N'est-ce pas? Mais quand vous voyez tous ces témoignages, vous voyez tes témoignages, c'est pas parce que... Non, c'est des témoignages très vrais. N'est-ce pas? Ce n'est pas des choses qu'on a inventées ou bien montées. Voilà. Voici une sorcière que je peigne encore. N'est-ce pas? Voilà. La vidéo, on la voit pas très bien. Qui allait enfuir la bénédiction de ses parents, ses trucs dans une termitière. Elle a gâté l'argent de son frère qui vit en France. Elle donne le monde l'argent, son frère lui donne l'argent et garde sa sorcellerie. Elle a plus l'argent là pour envoyer. Allons là.
Isabelle. Ma fille Isabelle. Regarde, maman. Mon fils, il est. Donc, voici la manifestation de la puissance de Dieu, n'est-ce pas, au travers du prophète Joël Crasso, n'est-ce pas? Je vais vous en montrer des théories, il y en a beaucoup. Et j'aurai l'occasion, quand je vais arriver à Divo, dans mes archives, j'aurai l'occasion de vous montrer dans une termitière, du moins dans une tombe, comment on allait déterrer un passeport mystique dans une termitière. On a vu un passeport mystique dans une termitière. N'est-ce pas, comment ils ont bloqué la chance d'un gros cadre et comment on a pu le délivrer de ça en faisant ressortir son passeport. Voilà, amen, shalom. Voilà, quand on a déterré son passeport et il est parti. Donc, voici un don. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il y a diversité de ministères. Il y a diversité de ministères et diversité de dons. Vous voyez, regardez, diversité de ministères et diversité de dons. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que toi, tu peux être quelque part en France. Tu peux être quelque part, à Nouvelle-Zélande. Je salue mes enfants spirituels, cette grande cellule du ministère de la compassion des âmes à Nouvelle-Zélande. Je salue cette prophétesse. Je salue mes enfants spirituels qui ont une grande cellule au nom du prophète Crasso à Nouvelle-Zélande. Je serai très bientôt en Nouvelle-Zélande. Que Dieu bénisse pour ça. Voilà, voilà. Venez à cette cellule de prière qui est en Nouvelle-Zélande. On parlera de ça, on aura l'occasion de revenir si le programme de Nouvelle-Zélande. Voilà, voilà. Donc, partout dans le monde, je suis suivi par 238 pays. Pourquoi? Parce que Dieu travaille au travers du ministère. Donc, du coup... Oh, c'est contre Jou, là. Bruno. Ta soeur est là. Là, il y a un beau monde. Et c'est toutes leurs chances que j'ai pris pour enterrer ici. C'est toutes les chances qu'ils ont pris pour enterrer. Encore une mine que j'ai oublié. Donc je parle libérer toute une famille dont la chance, dont les bénédictions, dont le mariage enfui par une sorcière qui est là, enfui quelque part. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée du prophète, tout ce que j'ai pris leur chance, leur bonheur, leur accouchement, et que j'ai enterré ici, grâce au prophète, aujourd'hui, il les libère pour que la chance les sourit et Dieu leur apporte la grâce. Amen. Amen. Dis encore la même chose. Alors, bah, les soldats, mais si c'est encore. Oh, non, là. Look, maman. Oh, c'est quand même il est fou. Il y a ce qu'on a maman, le Jésus. Le Boussani. C'est toi l'éternel. Tous les enfants que j'avais attachés, que j'avais enfuis ici, tous et tous, aujourd'hui, grâce à l'arrivée du prophète, toi Jésus-Christ, je les donne aujourd'hui au prophète, je donne toute la chance au prophète pour remettre à toi Jésus, ils n'ont qu'à s'acheter des voitures, ils n'ont qu'à s'acheter des maisons, tu t'es libéré grâce à ce prophète-là, pour que nous soyons en paix. Donc,
prophète Moïse, on sait que comment il a été délivré. Il y en a fait, il y a quoi, parce que quoi, il y a quoi, il y a fait, il y a eu une nage, il y a quoi, il y a fait, au plus on dit, il y a le, il y a quoi, il y a eu le spa, il y en a fait, il y a quoi, il y a une femme, 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 il y a une Grâce à l'arrivée du prophète, grâce à toi Jésus, le prophète qui est venu pour nous amener dans la vérité. Tous les enfants que j'ai enterrés ici, leur chance, leur bonheur, je les libère aujourd'hui. Grâce à Jésus, il faut que le bonheur les prenne. Il faut que la bénédiction vienne sur eux tous. Il faut qu'ils achètent des voitures, ils construisent des maisons, ils construisent tout et ils réussissent. Au nom de Jésus. Donc je fais l'action prophétique pour détruire. Ça veut dire que quelque part, on peut enfuir ta bénédiction, ta chance dans une termitière quelque part. Jésus dit aux soeurs de Lazare, où l'avez-vous mis? On t'a mis quelque part. Et c'est pour ça que je suis rentré dans ce village-là, pour aller déterrer, détruire, n'est-ce pas, la vie des champs. C'est pas n'importe qui le fait. Voilà, je rentre maintenant sous le mandat, l'onction de Dieu, n'est-ce pas, je commence mon travail. Voilà, c'est ça l'onction. Ça ne se discute pas. C'est pas n'importe qui a ce don-là. Voilà, donc je rentre maintenant sous la puissance de Dieu. Voilà, donc j'explique maintenant comment elle travaille avec un bracelet mystique. Bon, on dit seringue. Voilà, donc j'explique maintenant ce que je vois, je suis en train de voir. Parce que Dieu m'ouvrait les yeux pour voir ce qui était dans, sous la terre. Donc j'ai fait une action prophétique. Mais tout ça, c'est des actions prophétiques. Voilà, c'est pour détruire. Voilà. Donc j'ai dit aux gens de creuser, excusez. Une minute, s'il vous plaît, une minute. On va revoir la vidéo. Excusez-moi, parce que c'est vraiment très important ce que je suis en train de vous montrer. Parce qu'il faut savoir les dons du prophète. Voilà, creuser. Oh, cette lumière, la veilleuse, nous en aide beaucoup. J'ai demandé aux gens de creuser. Voilà, je poursuis encore parce que j'ai des vidéos que je n'ai pas mis en ligne sur YouTube. Bon, je suis en train de vous préparer à des grandes vidéos. Voilà, mais j'aurai l'occasion de vous.
Et puis nous-mêmes, on était là. On voyait les vibrations au niveau du prophète. On voyait qu'il soufflait même dans sa chair. Mais par la grâce de Dieu, on voit, il y a des regards qui sortent de l'eau avec des canaris. Nous-mêmes, on était émus. On était comment ça nous dépassait tellement. Ça avait passé. Donc on avait seulement que le potable. Fumé, mais la rassée. Sinon, c'était là. C'était environ de. Entre minuit et puis la fin s'est passée. Il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup d'hommes. Ça n'a pas été vraiment facile. C'est vrai que ce n'est pas nous qui faisions le travail, mais avoir l'homme de Dieu en train de travailler, ça n'a pas été facile. Et comme Dieu a tiré le dessus. Voilà. Voici un cardinal, une mamie mystique. Ah oui, c'est le mal. Hein. Il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde visible et le monde invisible. Voilà. Donc, tout ce qui est spirituel, il faut l'intervention d'un monde spirituel. De toute façon, il y a une guerre physique et aussi une guerre spirituelle. Donc, le village, nous avons déclaré la guerre aussi. Vous dites, ça suffit. Ça suffit parce que trop de frustration appelle à révolution. Donc, nous sommes révoltés contre ce fléau. Nous ne voulons plus que les gens meurent injustement dans ce village, que les sorciers viennent les tuer, peu importe la raison. Mais la mort d'une personne n'est pas normale. Ça, c'est dans une cour. Voilà, n'est pas juste. Et Dieu ne veut même pas ça d'ailleurs. C'est pour cela que nous avons déclaré hier, j'ai lancé le cri de guerre, j'ai dit, ça suffit à Zaroko. Ça suffit. Ça suffit parce que les gens ne pouvaient pas les faire comme des bêtes, les manger, les bêtes. Et les gens qui doivent étudier, vous les ramenez au village. Lorsque vous les ramenez au village, vous bloquez leur avenir, vous les mangez comme des porcs. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que normalement, un propriétaire, c'est lui qui est là-haut. Et injustement, quand on détermine la vie des gens, on en deuil des familles. C'est lancé. Je leur déclare la guerre jusqu'au bout. Nous allons les traquer, les détruire au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je cherche même un mec qui s'est présenté devant moi, Mathieu. Ah, ma parole. C'est pas ma chère, c'est tu es ma chère. Moi, c'est ma parole. Je cherche son vieux. Je suis encouragé, la carte de l'Ivan, mon Mathieu. Vous dites, il est vrai, son vieux, il est encouragé. Ma parole, il a arrêté son cœur. Elle saute 22-17. Ça suffit. Voilà. Voilà, donc, j'étais en train de vous... ouais, devant de mémoire, j'étais en train de vous parler. Vous savez, on ne se lève pas matin pour dire, non, Dieu m'a appelé il m'a appelé contre les œuvres, la sorcellerie. Il m'a mandaté contre les œuvres de la sorcellerie, et patati patata. Mais frère, affaire de sorcellerie, là, nous, là, longtemps, on est dedans. On a délivré aujourd'hui plus, bientôt 9000 personnes délivrées des œuvres de la sorcellerie. Nous sommes dans les villages et c'est ça notre combat aujourd'hui. Il faut que toi, parce que pendant que peut-être que tu es en Europe, là où tu es, tu ne sais pas ce qui se passe, tu es frustré. Tu as l'impression que tout est bloqué autour de toi. Or, il y a, n'est-ce pas, toute une confrérie, n'est-ce pas, qui est en train de travailler autour de toi. Toute une confrérie. Mais c'est ça l'humilité. Nous, on ne s'invente pas. On ne parle pas de ça. On ne s'invente pas. On ne vient pas crier, on ne vient pas dire quoi que ce soit, on ne vient pas, mais on travaille. Nous travaillons par la grâce de Dieu. Donc, j'ai sillonné beaucoup de villages, n'est-ce pas? Beaucoup de villages et beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup de villages de la Côte d'Ivoire. J'ai vu beaucoup de choses. Comme le président Sekou disait la dernière fois dans sa vidéo, mais attends, mais pendant que en pleine croisade d'évangélisation. Voilà, donc voici le combat que nous menons. L'Occident a mené un combat farouche contre les œuvres de la sorcellerie. Et nous avons travaillé par la grâce de Dieu. Ici, en Côte d'Ivoire,
Et même dans la sous-région, nous avons travaillé par la grâce de Dieu sur du travail, c'est-à-dire évangéliser la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et nous avons eu des grandes émissions télé. J'étais le premier homme de Dieu à faire une émission sur les œuvres de la sorcellerie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Avec Ben Zawi, c'est la 2, en 2009. J'avais une église à Abidjan de 1000 à 5000 personnes. À 1000 à 1500 personnes. Voilà. Et Dieu, dans sa souveraineté, va me conduire à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Comme c'est là-bas, se passent les œuvres de la sorcellerie. Ah, je suis allé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Voici mon témoignage. Et on a commencé à poster. C'est comme ça que les jeunes gens sont venus vers après moi. Ils sont venus pour déclarer. Or, déjà début 2006, 2007, j'étais déjà avec le pasteur Serge. En 2006, déjà, je vais vous montrer. J'étais déjà avec le pasteur Serge. Je vous montre la vidéo où j'étais avec le pasteur Serge, où le monsieur allait enterrer. Ah, la lumière. Il y a un souci de lumière. Wow. C'est ça que je suis en train d'interpréter là. Aujourd'hui, là, je donne le plein droit de pratiquer. On a joué pour aller manger. Je vais manquer du haut. Qu'est-ce qui t'entend de parler? Quand tu vois que tu es mon gars, on a joué, on a montagné. Bien, je vais vous montrer Serge. Je préfère vous montrer Serge. Vous parlez ailleurs. Bah, c'est Serge juste à côté, là, en blanc. Là. C'est Serge, calme. Thank you.
Ok, tu peux commencer. Faut faire un reportage. Tu prends la foule. Comment il s'est d'abord arrangé pour prendre. Non, mais attends d'abord. Raphaël, comment tu as pris. Oh, c'est un reportage. Tu me fais sortir dedans. Comment il a pris. Vas-y. C'est le pasteur Serge qui est juste derrière. C'est la voix du pasteur Serge. Voici le pasteur Serge en casquette là. C'est le pasteur Serge qui est juste derrière moi en casquette. C'est pour dire, lui et moi, on vient de très loin. Ceux qui s'approprient de... Ils ont un ministère de délivrance, ils veulent déstabiliser le ministère. Mais attends. Celui qui est en casquette blanche derrière là, c'est juste voilà, c'est le pasteur Serge qui est juste derrière moi. Voilà, pour dire, je tente devant de mémoire, je vous tente de le montrer, Serge. Vous comprenez? Voici un homme de Dieu que je suis, que Dieu utilise dans la destruction des œuvres de la sorcellerie. Je voyais de contrée, de village en village, n'est-ce pas? Et Dieu m'utilise, n'est-ce pas, pour ramener, n'est-ce pas, ceux qui, n'est-ce pas? Il était très mince, vous voyez, c'est important de revenir sur ça. Parce qu'il y a des archives. Quand je rentre au pays, je vais faire ressortir les archives. Parce que c'est une question de devoir de mémoire. Voilà, donc on est travaillé dans les villages. Moi, je suis allé bâtir une église. Je vous ferai ressortir l'élément à Divo, non, à Abidjan, n'est-ce pas, avec les artistes, avec les gens, des personnalités, n'est-ce pas. Et puis à un moment, Dieu m'a ramené, n'est-ce pas, au village, n'est-ce pas, pour bâtir. Bon, attends. Un homme comme le prophète Crasso, est-ce qu'il a besoin aujourd'hui d'être combattu? C'est le point d'interrogation, c'est-à-dire, la question est posée à chacun d'entre vous. C'est-à-dire, donc, attends, on a connu le prophète Crasso au travers des vidéos. Très bien. Oui, parce que le YouTube même porte très bien la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Crasso. Donc, ce qui nous réunit, c'est le prophète Crasso. C'est-à-dire, à partir du prophète Crasso, on découvre dans son ministère, au travers de son ministère, un ministère puissant de délivrance. OK? C'est ce qui nous réunit. C'est moi qui vous a fait connaître telle personne étant. Maintenant, ça dépend de l'esprit de chacun d'entre nous. L'esprit de chacun d'entre nous. Attends, mon sacrifice, le sacrifice pour l'amour des âmes m'amène
à laisser Abidjan où il y a l'argent. Demandez à mes collaborateurs. C'est moi qui paye leur maison. C'est moi qui paye leur maison. C'est moi qui paye, n'est-ce pas, le centre de prière. C'est moi qui paye la nourriture. Je donne à manger à même des personnes qui viennent au centre là-bas, qui n'ont pas à manger. Je leur offre à manger. Chaque deux, d'une semaine, on a un sac de riz. Je paye ce sac de riz pour donner à manger aux gens. Un homme comme moi qui donne un monde, normalement, il devait être à Abidjan s'il aimait l'argent. On a combien dans les offrandes? On n'a rien du tout dans les offrandes. Rien du tout dans les offrandes. On n'a rien du tout dans les offrandes. Donc, je prends mon argent, je nourris les gens. Pour que le ministère puisse se prendre en charge, en 2015, début 2016, j'ai décidé de construire construire un restaurant parce que les gens venaient là, ils mangeaient dehors. Donc, je construis un restaurant au nom de l'église pour que l'argent qui rentre, au lieu que les gens, n'est-ce pas, partent, n'est-ce pas, manger dehors, cet argent-là nous sert pour payer le courant. Parce que les gens, ils viennent, ils n'ont pas de l'argent. On les héberge, le courant. L'eau souvent monte, ça vient des factures de 300 000 francs. Et n'est-ce pas, CFA, souvent, ça c'est, non, là c'est le courant, 300 000 francs. L'eau vient souvent 150 000 francs, 80 000 francs, ou bien souvent 200 000 francs, CFA. Et c'est parce que j'ai mis un système en place, nous mettons tout, parce qu'on a affaire aux pauvres personnes, vous comprenez? Donc ces personnes-là, et donc on a mis un système en place. Donc les pasteurs sont payés. Moi je parle de ça, d'un soutien. D'ailleurs, attends, c'est moi qui fais le travail. Quand je ne suis même pas à Divo, personne ne vient. Personne ne vient. Mais quand je suis en Europe, tous ceux qui sont à côté, auprès de moi, ils savent que quand je suis en Europe ici, quand je gagne 5 francs, c'est Wincent Lignol, Monogramme, parce que je ne pense pas à moi. Eh Dieu. Ma vie, je ne vis que pour les autres. Je pense comment aider mon prochain. Je suis à Paris, je suis aux États-Unis, je suis là. Comment aider les gens? Comment les aider? C'est pour ça que je me bats toujours pour ça. J'investis. C'est-à-dire, je n'ai même pas d'économie. Et tout le temps, je suis dans les Monogram, Western Union, en train d'envoyer, payer les factures, demander aux gens. Je suis toujours en train de travailler parce que je veux que les gens vivent. Donc, moi, mes collaborateurs, par la grâce de Dieu, je les aide, je les soutiens. Je les mets à l'aise. Mais, si j'aimais l'argent, mais je serai, n'est-ce pas, aux États-Unis. Attends, mais qu'on m'invite aux États-Unis, ça compte mon don. Partout où je passe aujourd'hui, le don est là, le don se manifeste. Donc cet argent-là, par la grâce de Dieu, dans les croisades, le soutien qu'on nous apporte, j'investis ça dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai des gens, quand je reviens de l'Europe, j'ai des valises et des valises que j'envoie en Afrique pour donner chaussures à temps, costumes à temps, parfums à temps. On connaît notre histoire. Ce n'est pas l'église qui paye, c'est pas l'église d'Ivo qui paye, n'est-ce pas, mon transport, mon billet. Il ne peut pas payer. Demandez à l'église d'Ivo qui a payé les instruments. C'est moi qui ai payé les instruments à hauteur de 3 millions. Et mais à Divo, à hauteur de 3 millions de francs. J'ai payé les instruments à hauteur de 3 millions. Mais s'il ne paye pas, parmi eux qui paye la dîme, les gens ne payent même pas la dîme, ils ne sont même pas fidèles à la dîme. Je m'investis corps et âme pour soutenir cette œuvre. Corps et âme pour soutenir cette œuvre. Vous avez vu ça quand? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Où on est dort, on est réfléchit, on est chaque jour, on est s'investit que aider les gens, notre entourage. C'est dans ce but-là que j'ai aidé les gens à organiser leur mariage. J'ai organisé le mariage de certaines personnes. J'ai organisé leur mariage. Leur maman est venue les voir. J'ai demandé à l'église de cotiser pour donner de l'argent à leur maman, la maman, pour partir. Je n'ai pas de problème avec des gens. Mon cœur, j'ai un cœur, j'ai organisé un mariage, j'ai payé la dot de certaines personnes à l'église, j'ai payé la dot de certaines personnes. J'ai créé une stabilité dans la vie de certaines personnes. Parce que c'est ça mon cœur. Mon cœur, c'est de faire du bien aux gens, pas du mal. Je n'ai pas de mauvaises choses dans mon cœur. Non, ça n'existe pas. Et je prie Dieu que les mauvaises choses n'existent pas dans mon cœur. Non, ça, j'évite ça. Et c'est ma prière de chaque jour. Je suis pécheur, bien sûr. Mais je ne veux pas faire du mal à mon prochain.
Jamais je vais conspirer des choses à l'égard de mon prochain. Jamais je vais m'entendre avec les gens dans le but de détruire mon prochain. Jamais. J'ai toujours poussé tous ceux qui sont avec moi. Ça, aujourd'hui, ils portent costume. Aujourd'hui, ça porte chaussures. Aujourd'hui, ça porte cravate. On sait où on est quitté. Mais bien avant ça, moi, j'ai une histoire. Président Sekou, il sait très bien. Il sait très bien. Qui va lever un doigt pour dire que le prophète Crasso ne me donne pas 5 francs? Qui? Demandez. On a aujourd'hui dans nos résidences. C'est pour cela que je vais rentrer à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Je ferai ressortir beaucoup de choses. La confiance que j'ai eue aujourd'hui. Et je me suis battu, n'est-ce pas pour mes bien-aimés. C'est-à-dire ceux qui sont autour de moi. Je me sacrifie pour eux. Je ne vis que pour eux. Et Dieu. Cet argent-là, je peux acheter maison. Je peux acheter beaucoup de choses. Je peux acheter. Ce n'est pas eux qui m'envoient ici. Attends, ce n'est pas quelqu'un qui m'envoie ici. Maintenant, ceux qui viennent dans le ministère, vous m'avez connu en tant que prophète Crasso. Mais j'étais déjà averti. J'étais déjà averti qu'autour de moi, quelque chose se passait déjà autour de moi. J'étais déjà averti divinement par Dieu. Et puis, quand j'étais déjà aux États-Unis, n'est-ce pas, j'avais déjà eu des contacts pour dire, méfie-toi de telle personne dans ton entourage. Quand je suis venu, je n'ai pas fait de problème. Parce que je suis quelqu'un qui aime couvrir ses enfants spirituels, qui aime les aider. Je les ai approchés pour dire, j'ai écouté vos interventions, vous êtes en train de préparer quelque chose contre moi dans le but de détruire cette église. Vous êtes en train de préparer quelque chose contre moi dans le but de détruire cette église. Et c'est pour ça que demain, j'aurai l'occasion de montrer cette vidéo. Et il y a des éléments vidéo, il y a des éléments audio, il y a des éléments audio des conversations, des personnes qui, n'est-ce pas, qui étaient en train de conspirer des choses contre l'église. Je l'ai. Mais moi, je suis allé doucement. N'est-ce pas, doucement? On te fait confiance. C'est la confiance, ça se mérite. Et je décide, n'est-ce pas? Le pasteur Serge, que vous voyez là, sa fille fréquente, elle est sous ma charge à l'orphelinat. C'est moi qui la prends en charge. 5 francs, il ne paye pas. Elle ment. Heureusement, aujourd'hui, elle est passée en classe supérieure. Elle ment. Moi, je les prends en charge. C'est moi qui les prends en charge. C'est moi qui les prends en charge. Moi, je t'ai fait confiance. Je me suis levé un matin devant toute l'église. Je t'ai confié l'église. J'ai l'église. Prends l'église en charge. Aujourd'hui, tu penses que moi, je suis diabolique. Aujourd'hui, tu fais comprendre aux gens. Tu fais entendre par des paraboles. Fais entendre. Mais attends, moi, j'arrive à Divo. C'est-à-dire quand quelqu'un... Tu n'es pas courageux. Quand on n'est pas courageux, c'est là qu'on parle, on bavade. Mais Dieu m'est témoin. J'arrive. Moi, je suis en Europe. Vous voulez d'abord le plan que vous conspirez déjà. C'est d'abord déstabiliser pour qu'on n'ait pas la convention. Et ça, je suis convaincu. Pour ne pas qu'on construise l'église. Parce que c'est votre truc. Pour quelqu'un qui t'a formé, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est moi qui ai tout organisé. C'est moi qui t'ai fait. Et moi, je peux le dire aujourd'hui, oh, une fois, je t'ai fait. Parce que c'est moi qui ai le don. On t'a connu qu'en quel moment? C'est moi qui t'ai fait. C'est toi qui vas dire aujourd'hui que Dieu n'est pas un moi. Tu sais ce qu'on appelle Dieu n'est pas quelqu'un? Pour investir 27 millions dans un orphelinat, toi, tu as pu faire quoi? Moi, j'ai fait du bien. Je t'ai fait du bien. Moi, j'ai fait du bien aux gens. Je t'ai fait du bien toute ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je t'ai confié une église. J'ai dit, tiens l'église, j'ai là. Si j'étais diabolique, que j'étais mauvais, pourquoi tu ne me dis pas devant toute l'assemblée que tu es mauvais et c'est toi qui fais des conneries dans cette œuvre? Je ne peux pas gérer ça. Et tu me laisses partir. Tu me laisses partir en France. Je pars en France. 2 mois après, avant les 2 mois, tu étais en train de faire une église. Moi, j'ai quitté Abidjan. Je n'ai pas fait une église près d'Abidjan. Si je faisais une église près d'Abidjan, j'allais ramasser beaucoup d'âmes dans toutes les églises d'Abidjan. Mais pour ne pas que les gens pensent que... Parce que c'était normal, si j'étais à Abidjan, que ce soit à Dabou, quelque part, je me suis éloigné. Je suis à 2h15 d'Abidjan, en voiture. Je suis allé faire une ministère dans la brousse parce que Dieu m'a appelé. On t'appelle, tu abandonnes une église. Je t'ai fait confiance, tu abandonnes cette église. Je suis en Europe, tu abandonnes l'église. Attends. Tu as abandonné l'église. Pour
en retour de la bonne foi, toi, tu me réserves la méchanceté. Mais est-ce que Dieu... Mais attends, mais pourquoi cette manière d'être méchant? Pourquoi être méchant? Tu penses que je suis mauvais? Si aujourd'hui, tu penses que le prophète Crasso est mauvais? Tu penses qu'aujourd'hui, le prophète Crasso... Parce qu'au fait, votre plan, c'est comme la politique. Moi, je ne suis pas un politicien pour venir déshabiller les gens. Parce que j'avais tous les éléments vidéo de votre conspiration. Pardon, audio de votre conspiration. Comment vous étiez en train de préparer des gens pour me déstabiliser. Et ça, aujourd'hui, je comprends. Pourquoi aujourd'hui, il y a des éléments. Il y a des gens qui sont autour de toi, qui sont en train de te financer pour aller faire une église à quelque part. À Irée. Quoi, tu peux laisser une église? Et tu te lèves, tu ne fais même pas les points. Fallait attendre le prophète Crasso, qu'il rentre si divo, et tu lui dis, si tu es courageux, tu lui dis ouvertement, je ne suis plus avec toi, voici les points. J'arrive, moi j'arrive. Hein. Cette histoire-là, on va la régler, j'arrive. Hein. Mais c'est méchant. Et aujourd'hui, tu te propres. C'est toi aujourd'hui, c'est toi qui délivre les gens. Mais justement, voici ça, voici où on est arrivé aujourd'hui. Voilà, voici où on est arrivé aujourd'hui. Le masque est tombé. Ces personnes qui te donnent des conseils, des conseillères. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent comprendre pourquoi tu es parti. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. S'il y avait une raison, tu penses que tu es chrétien, je doute de ta chrétiennité. Voilà. D'abord, je doute de ta chrétiennité. Moi, je suis quelqu'un, je suis très franc. Je ne suis pas avec quelqu'un, je lui dis la vérité. Je lui dis, voici, je m'assois. C'est moi, tu penses que je fais de la merde. Moi, je fais de la merde. C'est moi qui ai construit ta vie. C'est de la lâcheté. Tu es un diable, tu es un démon. Tu es un démon. Mais pourquoi tu ne me regardes pas en face? Pourquoi tu ne m'attends pas pour me dire ça en face? Si tu es courageux, du coup tu penses que tu quittes une église et je suis à l'étranger et toi tu vas faire une autre église. Mais attends. Arrêtez ça. Moi j'évite qu'il y ait l'escroquerie satanique. Parce que oui, j'ai bâti l'église. Je suis en train de partir. Moi je ne me paie pas. Je peux bâtir une église aux États-Unis. Je peux bâtir une église au Canada. Je peux bâtir une église aux États-Unis. Je peux bâtir partout. Mais je suis toujours revenu à la base. Mission de ce que j'ai construit. Je ne veux pas être à la base de la destruction d'une œuvre de Dieu. Sauf cela que moi, Crasso, je t'ai fait confiance. Je t'ai confié, tiens. Devant tout. Parce que la vidéo est là. Oui, je te disais, tiens l'église, j'ai l'église. Mais il fallait dire ça ce jour-là. Que tu es mauvais, tu es diabolique. Parce qu'aujourd'hui, on sait, par Internet, on peut tout dire. Par Internet, on peut tout rencontrer. C'est moi aujourd'hui, moi, qui a fait ton... Tu as fait. C'est moi aujourd'hui qui on traîne dans la boue. Mais pourquoi l'homme est méchant? C'est méchant jusqu'à ce point. Moi, je ne règle pas mes problèmes sur Internet. Je ne règle pas mes problèmes sur truc. Mais c'est méchant. Et c'est dangereux aujourd'hui. Tu as des conseillers. Mais justement, tu as des conseillers. Il y a des gens qui te donnent des conseils. Mais on ne détruit pas une œuvre. Mais justement, moi, j'ai connu comment? Dans la brousse, j'ai bâti. Aujourd'hui, je suis en train de bâtir. J'ai une convention. C'est là où vous voulez détruire cette convention? Vous ne voulez pas que la convention ait lieu? Vous ne voulez pas que la convention ait lieu? Mais c'est quel esprit ça? C'est quel esprit ça? Vous ne voulez pas que la convention ait lieu? Mais pourquoi j'ai organisé ton mariage, tu ne voulais pas? Pourquoi fallait me dire, tu es un sorcier, tu es mauvais, moi aujourd'hui, moi je respecte Dieu. Frère, dans mon ministère là, si j'étais quelqu'un qui vivait dans le désordre, je ne serais pas aujourd'hui comme ça. Moi ma vie privée, ma vie privée, je n'expose pas ma vie privée. Mais au moins, j'ai pris le temps d'arranger la vie des gens. Au moins. J'ai pris le temps d'arranger certaines personnes. Moi, je ne détruis pas. Voilà. Dieu merci que je ne détruis pas. Dieu merci que je ne suis pas à la base de la destruction. Je ne veux même pas parce que je ne veux pas être suivi d'une malédiction. Sauf ça que quand un enfant est pauvre, un enfant est mendiant, un enfant est dans la rue, je le prends, je l'envoie dans mon orphelinat pour aller lui donner à manger. Je ne détruis pas les gens. Souviens-toi de ce que j'ai fait un jour pour toi. Souviens-toi. Et quand quelqu'un n'a pas une conscience, ça veut dire que cette personne est déjà dorénavant sur le pouvoir satanique. C'est le diable qui est ingrat. C'est ça la sorcellerie, l'ingratitude. On ne sait pas où on vient. On ne sait pas, on ne connaît pas le bienfait. C'est moi qui t'ai formé. Qui te connaissait?
Aujourd'hui, tout le monde. Mais c'est ça. C'est comme la politique. Tu sors de quelque part, on t'appelle, tu sors. Et c'est sur Facebook, tu veux régler un problème d'une église. On te confie une église. On te confie une église. Pas seulement en Europe, mais les détracteurs sont aux États-Unis. En Europe et aux États-Unis. Mais moi, je suis un homme de combat. Je gagne toujours. Et j'ai appris beaucoup de choses dans cette histoire. Mais c'est quoi ça? C'est quelle méchanceté? Gratuite. On te fait du bien et c'est toi en retour qui as de la méchanceté pour les gens qui rencontrent des choses à la con. Mais pourquoi tu ne m'attends pas? Pourquoi tu ne m'attends pas? Si tu es courageux, parce que tu n'as pas d'argument. Si tu es courageux, attends-moi et dis ça devant tout le monde. Pourquoi quand je te confiais cette église de Divo, je te confiais l'église de Divo, tu ne disais pas ça officiellement devant l'église de Divo que ce monsieur n'est pas bon? Pourquoi tu ne disais pas ça? C'est maintenant que je pars et 2 mois après, peut-être 3 mois après, ta maïmaï, ta manière d'agir là, tu la manifestes. Pourquoi nous on est comme ça? On m'avait déjà averti, mais moi, j'ai gardé le temps. Doucement. La convention aura bel et bien lieu. Point. L'église sera bien construite. Point. Nous autres, nous avançons. On a compris vos jeux. Justement, j'ai compris que mon entourage, la plupart des gens ont été corrompus. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand réseau de la franc-maçonnerie qui finance les gens. Aujourd'hui, comment tu peux partir d'une église? Et puis, tu allais faire un centre. Tu pars faire un centre. Mais non, on le savait. Nous, on le savait. On le savait. Mais on n'a pas pris le temps de... Ça ne nous intéresse pas de t'insulter. On est bien éduqué. Moi, je ne suis pas mal poli. Je suis très bien éduqué. Je suis quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui a l'amour des gens. Sauf cela. Sinon, je fous quoi? Moi, je fous quoi, Divo? Attends, quelqu'un, je prends tout mon temps de dépenser. Je fous quoi, Divo? Si ce n'est pas l'amour, c'est à quoi de vous? C'est à quoi de vous? Je suis à Divo. C'est à quoi de vous? Je me suis toujours battu. Je me suis toujours saigné pour vous aider à Divo. Mais Dieu sera mon juge. L'Éternel sera mon juge. L'Éternel sera mon juge. C'est pour cela que je ne me prononce pas certaines choses. L'Éternel sera mon juge. Et cette histoire, Dieu sera mon juge. Moi, j'ai fait un effort pour ne pas faire du mal aux gens. Je ne ferai jamais du mal aux gens. Non, non, je respecte l'être humain et créé à l'image de Dieu. Moi, quand quelqu'un me fait du bien, je le respecte. Je ne fais pas du bien. Non, ça n'existe pas moi parce qu'il y a l'esprit de Dieu, j'ai l'amour de Dieu. Tu penses que quelqu'un est mauvais? Qui t'a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, tu rentres dans un procès de concurrence et confrontation juste à côté. Moi, j'ai quitté Abidjan. Moi, je ne suis pas allé faire une église juste à côté d'Abidjan. Si je fais une église plus d'Abidjan, mais Abidjan sera vide. Et pour ne pas rentrer en confrontation, en concurrence avec des pères spirituels que je connaissais à Abidjan, je suis venu à Divo. Et c'est à Divo que j'ai évolué. Quand on a l'onction, on ne reste pas là. On va dans la brousse. Va dans la brousse. Va en brousse. Ne reste pas là. Va en brousse. Va à Zangwe. Va à Man. C'est ça le problème. Va à Man. Va à Man. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les gens sont sortis là-bas, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'arrive à Abidjan très bientôt. Je suis déçu de la race humaine. C'est-à-dire, c'est ma vie, ça. Mais je comprends une seule chose. Moi, aujourd'hui, tu me vilipendes, tu me rends compte, d'une manière subtile, c'est toi qui es bon. Dieu ne sait jamais, il ne se retirera jamais de moi. Jamais. Jamais. Tu sais comment ils dépensent par mois? Tu sais comment je vide mes poches pour aider les gens? Pourquoi nous, on est comme ça? Demain, quand vous allez avoir des problèmes, vous allez penser que non, c'est comme ça, comme si. Pourquoi on est comme ça? Mais pourquoi tu n'as pas le courage d'être devant moi et de le dire? Moi, je suis quelqu'un, c'est ça ma force. Je ne suis pas avec toi, je n'ai pas peur de te le dire en face. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vos histoires d'être parmi, arrêtez ça. Vous créez des trucs. Moi, j'ai ma vie privée, frère. Je vis bien. Et Dieu est avec moi. Je vis très bien, mieux que toi. Mieux que beaucoup de gens. Il n'y a pas ce que j'ai fait là. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne le font pas. Ils ont quoi? Ils ont l'argent. Ils vivent dans le luxe. Moi, mon argent, pas moi, je dépense. C'est des millions que je dépense pour nourrir. Encore, je crée des emplois aux gens. À Baruch, j'ai donné des emplois aux gens. Il y a des gens qui ne sont pas à cause de moi. Qui vivent. Je n'ai pas encore mauvais. Mon cœur n'est pas mauvais.
On dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Pourquoi vouloir me nuire? Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps. Et j'ai compris beaucoup de choses. Je m'ouvre. Mais aujourd'hui, je vais me fermer. Parce que j'ai compris. Ceux qui sont en train de s'investir en toi. Et ça, j'avais déjà la révélation. Qu'ils allaient s'investir en toi. Qu'ils allaient maintenant, un gros arbre comme un baobab, petit gnani, va l'écraser. Vous savez, vous voulez déstabiliser. Pourquoi vous ne voulez pas que la convention ait lieu? Pourquoi vous ne voulez pas que la convention ait lieu? Pourquoi vous ne voulez pas que la convention ait lieu? Vous commentez la convention. Vous commentez un projet d'une église. Attends. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous enchaînez 6 mois? Attends, mais donnez-moi la raison. Mais tu m'as une fois approché. La Bible nous dit dans Matthieu 18, 15. La Bible nous dit, moi je ne suis pas dans vos conneries. Je ne suis pas dans vos conneries. Si vous voulez investir quelqu'un qui vit dans le désordre, attends, moi je ne suis pas dans le désordre. Je sais ce que je veux. Je ne suis pas dans le désordre. Dieu m'approuve. Dieu approuve. C'est pour ça que moi, je n'expose pas. Je ne suis pas devant les réseaux sociaux pour exposer les gens. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand tu y penses, il faut être courageux. Viens affronter la personne. On ne parle pas derrière une personne qu'on est courageux. On ne parle pas. Moi, je ne parle pas, j'arrive. Mais ça ne me déstabilise pas. Je travaille. Moi, je suis libre, je suis free dans ma tête. Je suis en train de penser. Mais pourquoi on est méchant jusqu'à ce point? C'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu, basé sur du faux, de la méchanceté, de l'ingratitude. N'est-ce pas? On ne reconnaît pas ce que quelqu'un a fait pour lui. On ne reconnaît pas qui t'a appelé, qui t'a dit. Tu as une impression, qui t'a parlé. Mais j'arrive. Moi, je ne me presse pas, je te laisse parler. J'arrive. J'arrive. Je ne suis pas quelqu'un qui va. J'arrive. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle de. Je ne suis pas perturbé. Je respecte l'ordre que Dieu m'a donné. Mais attends, pourquoi aujourd'hui? Vous savez, telle personne m'a conseillé, telle personne m'a conseillé. Mais aujourd'hui, le masque est tombé justement parce que vous avez acheté beaucoup de gens autour de moi. Vous avez acheté voiture de certaines personnes. Vous avez fait beaucoup de choses aux gens pour justement les amener dans un clan, hein, pour se révolter contre moi, pour créer un blog juste à côté. Pourquoi vous êtes... Mais le masque est tombé. J'ai fait toute ma vie en train de vous faire du bien. Pourquoi en retour, c'est la méchanceté? Pourquoi? Pourquoi c'est la méchanceté? Pourquoi en retour, on me doit une ingratitude? Mais tu n'es pas dans un... Mais attends, le ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, anglais, il a rendu sa démission publiquement. Parce qu'il était investi publiquement. Il a rendu sa démission publiquement. Il est venu dire aux gens, je ne suis plus ministre des Affaires étrangères parce que je ne suis pas dans votre chose. On t'a confié publiquement. Pourquoi tu passes par la petite porte? Derrière la personne, tu parles. Et non seulement ça, tu dis tu vas te retirer. Et non seulement ça, tu te retires. Mais dans le retrait, tu as déjà une église. Et l'église a déjà des papiers. Mais attendez, il ne faut pas berner les gens, il ne faut pas jouer les gens. Attendez, on n'est pas quand même malade. Mais vous avez fait un lion. Voilà, moi, je suis serein. La convention aura lieu. Dites tout ce que vous pouvez dire. Rencontrez tout ce que vous pouvez. Ça, je suis inébranlable. Je sais quels sont ceux qui vous financent. Je sais ceux qui sont derrière ce grand projet de déstabilisation de cette convention. Je sais vous rencontrer des choses. Pourquoi est-ce que je vous parler de ça? Pourquoi est-ce que je vous parler de ça? Pourquoi? Vous êtes là en train de conspirer des choses. Mais Dieu merci aujourd'hui. La convention aura bel et bien lieu. Voilà. Moi, j'ai une procédure. Et moi, ma procédure, elle est biblique. Dans Matthieu 18, verset 15, ma procédure, elle est biblique. C'est cela que je ne parle pas. C'est vous qui avez commencé à agresser les gens. C'est vous qui commencez à parler subtilement dans le but de créer des soupçons dans les esprits des gens. Mais non, je ne sais pas ce que tu rencontres. Je suis désolé. Sinon, je ne serais pas à ce stade aujourd'hui. Dieu m'a déjà freiné. Tu rencontres des salades, des conneries. Matthieu 18, le verset 15. Matthieu 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça dit, tu pars vers lui. Si ton frère a péché, Matthieu 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. D'abord, ça c'est la première démarche. N'est-ce pas? S'il n'était pas écouté, tu gagneras. S'il t'a écouté, tu gagneras ton frère. Le verset 7.
Mais s'il ne t'a pas écouté, reprends avec toi une deuxième personne. Le verset 6, le verset 7, une deuxième personne. Afin que toute l'affaire se règle sur déclaration de deux ou de trois. Le verset 17, s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'église. Il refuse aussi d'écouter l'église, il soit comme toi, comme un païen, un publicain. Donc, voici le principe de l'église. Si un frère a péché, si un frère a commis une erreur, Matthieu 18, le verset 15 à 17, d'abord dans un premier temps, tu vas vers le frère et tu reprends le frère. Si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. Si tu n'as pas écouté, tu l'as gagné. Mais le verset 16 dit, mais s'il ne t'a pas écouté, prends avec toi deux personnes pour régler cette affaire. Le verset 17, s'il refuse de t'écouter, considère-le comme un païen. Moi, je suis là, je ne bavarde pas, parce que je veux régler un problème. Pourquoi tu as quitté l'église? Pourquoi tu l'as laissé à mon absence? C'est de la irresponsabilité. C'est des pensées diaboliques. Continuez de parler, continuez de conspirer, continuez d'agir. Mais c'est ça le problème. Mais attends, Divo même m'apporte quoi? Je dépense trop à Divo. Divo m'apporte quoi? Ça me fait quoi? Aujourd'hui, on a vu le mars. Merci ma conseillère. Mais je sais. Ma conseillère, merci telle personne m'a conseillé. Merci telle personne m'a conseillé. J'ai compris. Merci, je connais tout ça. Moi seul, sans subvention de l'État, l'État ne me subventionne pas. Je mets les enfants à l'école aujourd'hui, ils sont passés en classe supérieure. D'autres ont eu leur examen. Oh, mais arrêtez vos conneries. C'est ça que vous voulez détruire? Pour conspirer des choses. Mais attendez-moi. Mais mets-toi, on dit, si tu penses que quelqu'un t'a fait quelque chose, mets-toi devant lui et mets-toi devant l'église. Juste dans Matthieu 18, verset 15 à 17, arrêtez vos conneries là. C'est pas le prophète de Crasso vous parle. Arrêtez vos conneries. Moi, je continuerai de prêcher l'évangile. Mon combat contre la sorcellerie, vous avez échoué le plan. Parce que j'ai un plan. Je suis en train de dévoiler le plan franc-maçonnerie. Contre, n'est-ce pas? Le chiffre 66 qui est en train de venir très bientôt. Je vais vous montrer pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de me combattre. Parce qu'on n'a pas l'argent, peut-être que ce qu'on dit. Mais voici le plan que je suis en train de dévoiler. Oh là là. Je crois que je le signe ici. Le plan franc-maçon que je suis en train de démanteler et dévoiler. Voilà. Voici ce plan. Voilà. Cette puce. Voilà, voici cette puce qu'on va bientôt mettre dans le corps de nos enfants. Voici l'élément que la franc-maçonnerie va bientôt utiliser. Voici. Et comme le prophète Crasso, voilà. Le chiffre de la bête. J'ai tellement d'éléments à vous présenter. Voilà, donc le diable veut déstabiliser. Et c'est de ça qu'on va parler. Voilà. Voilà. Ils ont trouvé déjà comment mettre l'appareil dans le corps. Le chiffre 666. C'est l'appareil. Tu ne peux ni acheter ni vendre. Voilà. Et justement, ils font des infiltrés dans nos camps. Des infiltrés des gens qu'ils envoient dans nos camps. Oh papa, oh maman, et c'est toi qui t'élèves. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'es pas obligé de m'insulter. Tu n'es pas obligé de mettre des gens. Mais oui, vous finirez par être dévoilé par vos actions. Voilà, on ne divise pas une église. Quand on divise une église, c'est qu'on est là, on est satanique et on est démoniaque. Vous ne pouvez pas m'apporter un faux jugement. C'est le cœur qui est bon, j'ai le meilleur cœur que vous. Parce que moi, je ne détruis pas les gens. Je n'engloutis pas les gens. Le témoignage que vous avez, pourquoi vous ne me regardez pas en face pour me le dire? Pourquoi vous attendez? Mais c'est parce que sur Internet, parce qu'on vous écoute. Vous êtes tous sur Internet. Pourquoi tu abandonnes une église? On te fait confiance devant tout le monde, t'établit pour dire, voici officiellement, on te laisse cette église. Va diriger cette église. Aujourd'hui, on t'envoie faire des vidéos. On peut le faire sur Internet. Mais j'arrive. Voilà, j'arrive. C'est parole de Maréchal, j'arrive. La convention aura bel et bien lieu. Au diable ne pourra jamais nous déstabiliser. Tes conneries de diable, là. Tes conneries là. Faut pas m'envoyer ça. Tes conneries que tu fais là. Ça n'engage que toi. Tes conneries.
Ça n'engage que toi. Tes conneries, tes bêtises, tes attributions des conneries, là, je refuse ça sur ma vie. Tes bêtises, là. Ma vie, c'est ma vie. J'ai une vie de sanctification. Je vis bien devant le Seigneur. Je ne suis pas dans tes conneries. La preuve, c'est que le fruit, je ne pense qu'à toi. J'ai aidé les gens. J'arrive. Shalom à vous, que Dieu bénisse. C'était les mises au point, mais j'arrive très bientôt. J'arrive pour la convention. La convention aura bel et bien lieu. Vous allez faire. Moi, vous m'avez attaqué la nuit. Vous m'avez agressé. Vous m'avez fait tout. C'est-à-dire, si je vous montre les messages d'agression verbale, d'agression temps, on va te faire ça, des menaces. J'ai tout recueilli, des menaces, tant. Tu ne mettras plus pied en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'on a préparé contre toi. Tu ne mettras plus les pieds. J'ai tout ça ici. Je vous ai fait quoi? Shalom, que Dieu bénisse. Quand tu es courageux, tu ne fuis pas, tu affrontes. Tu ne parles pas derrière quelqu'un. Moi, je ne parle pas derrière quelqu'un. J'arrive. Vous faites les vidéos là quand pour dire non, c'est vous qui faites passer par la vie. Quelle victime? On t'a fait quoi? Quelle victime? On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu fais croire aux gens que non, il est mauvais. Ah, aujourd'hui je suis mauvais. C'est moi qui ai organisé ton mariage. Aujourd'hui, tu es mauvais. Ta dent là, c'est moi qui ai mis ça. Ta dent là, c'est moi qui ai mis ça. Aujourd'hui, là, je suis mauvais. C'est moi qui ai organisé ta vie. C'est moi qui ai parlé de toi aux gens. J'arrive. Shalom.